C'est quoi un jeune délinquant? Est-ce que c'est pas une matière première? Le SDF, c'est la même. C'est une matière première, mon vieux. Parce que si tu trouves une réponse à la délinquance, par exemple, t'en mets combien à la rue? T'en mets combien au chômage? Tu sais qu'un délinquant, ça fait vivre 10 personnes. C'est-à-dire entre le maton, le flic, le juge, le curé de campagne, enfin tout ce que tu veux. Ça nourrit du monde. Ça nourrit du monde. Absolument. Mais un vieux, c'est pareil. Ça, c'est l'adresse, t'as ton parcours qui est là-dedans, ouais. Et t'as le truc. Raconte. Il y a 20 000 enfants qui sont considérés comme SDF en France. C'est quel âge? C'est des gamins qui accompagnent les parents? T'as tout compris. T'as 20 000 mômes dehors. Et on est, avec un nouvel arrivage de chiffres, puisque l'INSEE dénonce 440 000, une progression de 440 000 personnes en dessous du seuil de pauvreté, qui s'ajoute au dernier stat. On en est à 8 millions 6 pour la cinquième puissance mondiale. Oui. Les 3A. Oui. Ouais. Oh la vache. À table! Bon appétit, Bran. Aujourd'hui, on parle des SDF, mais demain, c'est tous les parias qui vont être récurrents, si vous recensez comme ça. Tous ceux qui coûtent un peu de rond à la collectivité, bah, les vieux, les handicapés, tous les chômeurs, les machins, les trucs, bah, tôt ou tard, de toute façon, ça va finir par se calmer, la société, puisqu'il n'y aura plus rien d'autre. Alors, si on commence à les virer de la société, il ne restera plus personne.